C'est des dessins qui ont un look un peu réaliste, mais tout en étant dessin en noir. C'est ouais. pas seulement ça? Ben, je définirais mon style comme réaliste, comme texturé. J'utilise comme le pointillisme qu'on qu qu peut utiliser comme terme. Euh, je des petits points? Oui, dans le fond, c'est ah, comme un oui. dot work, mais c'est tellement comme euh, fin qu'on dirait juste que mon, mon shading est comme il y a une certaine texture ou un grain dedans. Donc, ça, la technique, il y, y en a différentes. Il y en a qui tu peux le faire vraiment point par point. Moi, je veux juste comme, aller faire mon shading en, en whippant mon aiguille qui ça, fait que ça fait vraiment genre, une, une texture. Là. Hey, ça paraît pas. Je pensais pas que c'était un dot work. Ouais, c'est le j'utilise une, une liner pour euh, faire mon shading. Fait Après, c'est comme. Tu sais, je vais prendre ton, tu un peu les, les aiguilles et tout dans le monde du tatouage. Ouais, fait, ouais, ouais. Je vais prendre une 3RL, puis je vais juste comme faire mon chaîne avec ça. Oh my god! Hey, ouais. ben en tout cas, c'est incroyable. Tu fais des super be belles pièces, puis j'aime beaucoup ton placement. Yes. Souvent, c'est ça que je trouve, que, qui, qui diffère des les autres tatoueurs. C'est que j'aime comment tu places le, ta le, le tatouage. Ah, merci. Ouais. C'est vraiment un, un nice. Euh complément. J'essaie toujours de comme avantager un peu le, le corps de la personne quand je place le design ou que je le dessine. Des fois, moi, ça me trigger, là, genre, de voir des tatouages qui ne pas le, le mouvement ou genre le, le flow là, du, du corps. Fait que le plus qu'on peut. Oui, mais en plus, c'est toujours des, des endroits qu'on n'aurait pas pensé, tu sais. Je trouve que souvent, tu, tu places un endroit comme que les autres auraient placé ouais. ailleurs. C'est juste un petit peu... Plus bas, mais toi, tu comme, ah, pas convaincu, <laughs> mais finalement, oui! Yes, non, mais c'est vrai, j'essaie toujours de comme sortir un peu du euh, euh, des standards. Ouais, ouais, <laughs> dis-moi les ouais. autres, là. Puis, tu sais, l'habitude, bon, ok, on met un serpent là. Ouais. Mais non, tu vas le mettre ici, genre. C'est comme vraiment différent. Puis, le noir, le noir euh, super bien placé. Ça combien de temps que tu t'attends? Ça fait 11 ans, ça fait 11 ans ce mois-ci, justement. Wow! Ouais! Jeune, jeune comme tu es. <rire> Botox. <rire> ouais, c'est ça. <laughs> c'est ça. Ça, on va y revenir, là, parce que t'as une coupe d'histoire là, là, dessus ouais. sur les chirurgies, là, ouais, à me raconter. Ça. À me raconter. Mais là, fait que là, t'as commencé, genre, à 17 ans. Ouais, j'ai commencé en sortant du secondaire directement. Ben, j'ai comme. J'avais pris l'été off, là, tu sais. Puis j'ai commencé euh, au mois de septembre. Ah, ouais. ouais. Mais, mais t'as appris ça comment? Euh, un, genre, sur le <laughs> tas. J'ai pas eu de formation traditionnelle. Mettons que je suis rentré dans un premier studio, puis je suis resté là, je pense, un an et demi. Puis c'est pas assez là, pour une formation complète. Puis je dis c'est pas euh, sérieux comme ce que j'ai pu connaître par la suite. Puis il y avait comme de la consommation. Euh, c'est un peu boboche. Là. Okay. Fait que après un an et demi, je suis comme bon, si je veux une vraie carrière, il <laughs> faut que je parte. Fait que je suis parti, mais ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. après ça, tu sais, vu que j'avais pas eu de formation légitime, j'ai appris vraiment au, au fil du temps avec d'autres tatoueurs, en regardant travailler, euh, en faisant des conventions. Puis c'est sûr qu'avec une formation légitime, j'aurais sûrement pu avancer comme plus vite. maintenant mon premier 50 tatouages, j'étais moins sérieux que le, mon dernier 6 ans, tu sais. Ok, ouais. Ben, puis tu sais, j'étais quand même jeune aussi, là, 17 à début vingtaine, c'est un peu « wild » en général. Oui, oui, c'est sûr, tu te cherches, <laughs> puis tout, puis tu sais, je veux dire, un que... moment donné, tu dis « là, OK, c'est assez. Là, » 100%. Tu sais, autant, autant que tu es capable de faire le party, là, mais le party, c'est en plus pas à place, puis un moment donné, quand on est jeune, on mélange les cartes, puis des fois, ouais. le, le party prend tellement de place que… Quand on, on oublie là, la, la raison, tu euh... <laughs> ouais, ouais, ouais. sais surtout dans du tatouage. Oui, oui, mais c'est si tu quoi moi, moi j'ai eu un enfant bien jeune, tu ouais. Fait que euh, j'ai un, un garçon de, de 25, j'ai une petite fille de 9 ans, fait que sais moi moi les enfants m'ont obligé <rire> à <rire> effectivement mais à rester un petit peu plus straight tout en étant fofolle. Bah ben oui, je capable de faire la party. Par contre, il euh, faut que je retourne à la maison. C'est ça l'affaire, c'est comme, tu sais, je suis jalouse de mes amis qui sont séparés, je suis comme, gagne de chance, là, enfin, une semaine sur deux, moi, c'est comme tout le temps là. Ouais, non, ça pour ça. C'est sûr, moi, j'avais pas de limite de chemin, de 17 à comme début de j'habitais chez mes parents, pas de bills à payer, je tatouais, enfin, tu sais, la vie de partir a pris une grosse place, ben, de partir, ouais. Qu'est-ce ouais. que, que J'en doute pas. Ouais. Mais la base, ouais. la base, avant ton... Tu sais, pour commencer à tatouer comme ça, au secondaire, j'étais... Ben, je suis dans ouais. un programme d'art intensif. OK, OK, okay. Que oui. dans le fond, comme, le matin, j'avais mon école normale. Euh, j'avais comme trois périodes. Puis, l'après-midi, j'avais soit de l'art ou euh, des comme, j'avais rien. L'heure <laughs> okay. était vraiment incroyable, soit que je finissais à midi et demi ou que j'allais chez l'art jusqu'à comme euh, 4 heures. Puis dans le fond, sur le, mon 50 secondaire, on secondaire, je pense que c'est relativement l'équivalent d'un cégep en art visuel. Comme, okay. euh, on a vu l'histoire de l'art sur 5 ans, on a travaillé pas mal de médiums. Euh, on a fait des exposés on a, à chaque année on avait des, ben, à chaque année on avait un exposé final à la fin de l'année avec un projet qu'on travaillait sur toute l'année fait que quand je suis sorti de secondaire j'avais déjà une bonne technique puis euh, un bon portfolio euh, de dessin fait que c'est pas mal ça qui me fait rentrer dans le monde du tatouage aussi jeune parce que sinon tu arrives à 17 ans dans un studio de tatouage pas de dessin avec juste genre les et le, comment le, j'ai tatouage. Le tatouage T'as jamais décidé de ben ben servir de bord ou comme ils vont ils vont te prendre, mais il va falloir que tu, tu prouves de quoi. dit que quand un, un certain portfolio, le monde sera comme ah, OK, ouais, tu sais, c'est dessiné, le former ça va être euh, plus facile, I guess. ouais mais ton style je veux dire as tu même les mêmes goûts non, en, en dessin? Non. Ben non. relativement, j'ai toujours aimé comme le surréalisme, euh, additionner, mettons, des, des, des pièces réalistes avec de la géométrie ou euh, de mixer des trucs, là, comme. Mais, ça, ça allait comme évolué. Ça l'a pas nécessairement changé au complet, mais au début, je me, je, je voulais plus faire comme du réalisme et au traditionnel couleur. Puis c'est ça que j'ai quand même fait un peu les premières années. Puis ça s'est lentement dirigé vers le black work, euh, texture. puis ça, ça a été plein d'influence. Soit les studios que j'ai travaillé que euh, souvent ils vont, ils vont te projeter les clients que c'était force. Puis euh, moi j'étais quand même bon que les, euh, les lignes fines, euh, les détails, quoi que ce soit. Fait que ça s'est comme placé tout seul vers le black work. Puis je dis après ça, j'ai fait des conventions, j'ai vu le travail d'une artiste euh, qui venait de Paris, qu'elle elle faisait relativement comme que je suis maintenant, puis que c'est elle qui me comme sont ses tricks. Puis j'ai fait genre my god c'est vraiment nice. Fait que j'ai commencé à travailler comme la texture, puis j'ai comme développé mon style, mais je te dirais que ça fait un bon euh, 3-4 ans, là, qui est comme mon style, il, est, il, est, il évolue, mais il a pas nécessairement changé. Ouais, et que là, tu es satisfait de ouais, trouvé que ta je clientèle? Sais, ouais. là, ouais. Parce qu'à un moment donné aussi, ça doit. Je ne sais pas, là, je ne suis pas tatoueuse, je n'ai aucune idée, mais le, le style de client que tu reçois, <laughs> ça doit. Tu sais, dépendant du style, tu es comme Ah, ce monde-là, moi Ça se peut-tu? Um, tu pas le choix avec le temps, on dirait. T'sais, au début, je prenais tout le monde. Je faisais ça. tous les styles. T'sais, je voulais vraiment t'atouer. T'sais. Puis à un moment donné, c'est que tu, tu, veux, t'sais, tu veux faire de l'argent, comme tu veux payer des bills. Fait que là c'est là qu'il y a le struggle. Des fois, tu es prêt à te faire manquer de respect pour faire de l'argent. Puis avec le temps, c'est comme tu limites un peu ça. Puis maintenant, aujourd'hui, j'ai le comme le privilège de pouvoir revirer de bord des camps parce que j'ai assez de demandes pour pouvoir mettre un filtre. Parce ouais. que oui, il y a du monde que ça va tu sais Genre, je vais les une fois, puis après ça, je vais être comme euh, bon, ben tu sais, c'était pas un fit. Là. Je, veux dire, je veux faire de l'argent, mais pas à n'importe quel prix. Pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est juste comme des fois, il y a du monde qui vont t'approcher pour avoir un certain tatouage. Tu essaies de leur expliquer que n'es pas down, que ça va pas être beau, ou que c'est pas ton style, puis ils vont comme dire, ah, OK, c'est bon, je te trust. Après ça, ils vont essayer de push leurs idées plus. Puis tu t'es comme, je t'avais dit au début que ça allait pas être un fit, c'était ça. Puis des fois, ça devient juste pas nice. Oui. tu sais, je veux dire. Mais ça va aussi avec le, aussi le style du tatouage, comme le, oui, le, genre, le genre de personne que t'attires, tu sais? Comme, ouais. qu'est-ce que tu fais comme dessin? Ça doit attirer un, un type de personne plus qu'un money. Ouais. Qu'est-ce que tu gères? Je t'entends bien avec relativement tous mes clients. Puis, tu sais, c'est sûr que s'ils aiment mon art, puis qu'ils ils relate autour de ça, parce que souvent, t'as un sentiment d'attachement, tu sais, euh, ouais. aux artistes que, que t'aimes, puis, tu sais, tu relates, là. Fait que, genre, euh, en général. Euh, tout le temps des fit là maintenant là comme puis j'ai pas j'ai pas besoin nécessairement d'ouvrir de, de, de bord beaucoup de clients là c'est comme autant qu'il y a de la diversité dans ma clientèle mais je veux dire on, les valeurs reviennent pas mal tous euh, au sont similaires <muches>